Bonjour, Shalom, bien-aimé dans les Seigneurs, partout dans le monde. C'est bien moi, Nonsin Galula, depuis l'Amérique. Je vous salue, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je fais ces vidéos pour exalter quelqu'un dans un coin du monde où la personne, elle est trahie, où la personne se sent rejetée, la personne se sent humiliée ou mal compris par les gens. Laisse-moi te dire, la vie chrétienne, ce n'est pas facile. La vie chrétienne, ce n'est pas que tout le monde sera content de toi ou va apprécier ce que tu es en train de faire. Ça demande d'abord l'effort personnel et puis que toi-même, tu puisses te priver de beaucoup de choses que les autres ne vont pas comprendre. La discipline intérieure et puis le travail du Saint-Esprit en soi. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider afin que d'autres choses tu ne puisses pas réagir, afin que d'autres choses tu ne puisses pas parler. Il y a tout un processus en toi qui se fait. Mais laisse-moi te dire, personne ne va t'y comprendre. Rien que le Saint-Esprit et les dieux qui t'orientent à faire ce que tu es en train de faire. Alors bénis Dieu pour la vue que tu as. Bénis Dieu pour tout ce que tu es en train de vivre. Remercie Dieu que tu sois en vie. Et bénis Dieu pour les qualifications ou tout ce que les autres pensent de toi. Bénis Dieu pour ça. Parce que Dieu, il sait de quoi est-ce que tu es en train de passer. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la meilleure personne qui peut mieux parler de toi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Lui, il témoignera qu'en positif pour ta vie. Il témoignera qu'en bien pour toi. Dans la nuit, dans la journée, au réveil, dans le sommeil, partout où tu seras, le Saint-Esprit rendra témoignage à ton esprit que tu es réellement enfant de Dieu. Et demeurer enfant de Dieu et être enfant de Dieu, c'est une grâce, c'est une bénédiction que tu as. Ne l'oublie jamais. La vidéo merci jusqu'à de la fin. Regarder cette vidéo. Aussi, laissez un commentaire abonnez-vous si tu as quelque chose à dire sur la vidéo, si tu as des propositions. Et aussi, n'oubliez pas de partager sur cette la vidéo sur les médias sociaux. Et lorsque nous allons projeter un album qui ne souhaite pas.